Si je parle des jus de fruits et légumes frais et crus, des lavements intestinaux et le jeûne thérapeutique pour notre santé globale, suivez-moi. Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des fruits et légumes frais et crus. Vous savez, il y a les personnes qui se demandent toujours pourquoi privilégier les jus de fruits et légumes frais et crus au lieu de manger le cuit. Oui, les amis, vous savez que nous avons plusieurs avantages pour les jus de fruits et légumes frais et crus et les salades composées au lieu de les cuire. Notre premier avantage, c'est que dans les fruits et légumes frais et crus, il y a des enzymes, des atomes, il y a les calciums vivants. Alors, quand nous mangeons ou bien nous buvons les jus de fruits et légumes frais et crus, nous assimilons tout cela, tout entier, pour notre santé. Pour la deuxième chose, lorsque nous mangeons les fruits et légumes crus et frais, et ou encore boire les jus de fruits et légumes frais et crus, nous avons les jus, les fruits qui sont des nettoyants et les légumes qui sont des constructeurs. Donc, nous pouvons les boire pour construire nos cellules ou pour les tissus. Nous pouvons aussi les boire ou manger les fruits composés, les éléments composés en salade pour... En même temps, il nous nourrit, en même temps, il nous soigne. Puisque si nous sommes dans une quelconque carence, cela va corriger. Il va corriger. Surtout les légumes frais et crus qui ne sont pas passés au four. Mes chers amis, je vais vous dire, vous savez bien que tout aliment qui passe au feu à des grandes températures, plus de 48 degrés Celsius, perdent leur valeur. Comment? Quand nous passons les légumes, tout ce que je viens de citer là au four, nous perdons les enzymes, nous perdons le calcium vivant et donc tous ces calciums, tous les atomes, les enzymes deviennent inertes. Alors, et ensuite, les enzymes se transforment en matières mortes. Et ce sont les matières mortes là qui se déposent dans notre côlon pour empêcher l'assimilation des éléments, pour nous causer des maladies. Et en plus, les enzymes, les atomes qui se sont formés en matière morte vont aller maintenant se déposer dans d'autres parties du corps. Hein. Ça peut se déposer dans le foie, ça peut se déposer dans le côlon, ça peut se déposer dans les reins, ça peut se déposer dans les articulations. Et c'est pour cela que des fois, les maladies surviennent et le trouble métabolisme. Le trouble métabolisme en premier. Que nous avions passé au feu, nous n'avions plus rien qui peut nous nourrir. Et le corps ne peut pas assimiler ce qui ne peut pas le nourrir. Notre médecin intérieur est très sage. Il fait la part des choses. Lorsqu'il voit qu'il ne peut pas assimiler, il laisse de côté, le sang trimballe dans notre corps et se pose n'importe où. Et c'est ça qui nous cause les maladies. C'est pourquoi on privilège de manger les jus de fruits, de manger le cru plus que le cuit. Vous allez me dire que comment? Oui, nous avions deux repas ou trois. Le matin, on peut toujours manger les fruits en prenant son déjeuner. À midi, on peut boire d'abord son jus avant de manger. Et le soir, on peut faire ses salades composées avant de manger. Vous voyez qu'on a toutes, on a les facilités, on a les moments où on peut privilégier de mettre le cru dans notre journée pour pouvoir nettoyer les dépôts, pour pouvoir reconstruire nos cellules. Oui les amis, si vous avez compris comme moi, il faut en matière de mettre en place de manière très juste, il faut le mettre en place en deux fois. À midi, avant de manger, tu as déjà fait ton jus toi-même à la maison.
Et le soir, tu fais une salade composée. Composée, vous savez, nous avons plusieurs jus, plusieurs éléments qu'on peut composer et qui sont chargés de macros et micronutriments. Ce ne sont pas des... ce n'est pas négligeable les avantages des fruits, des jus de fruits et crus, les jus de fruits et légumes crus, de manger en salade composée et de boire en jus. Les avantages ne sont pas à négliger, les amis. Donc, si vous êtes comme moi, mettez en pratique et puis vous allez voir vous-même. Alors, je vous aime tant et je suis sûre que c'est avec vous. Hein. Laissez-moi les messages, cliquez sur la cloche, mettez vos commentaires et à bientôt, partagez. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Alors, les amis, je vous laisse. Bye.